Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni dans cette soirée. Voilà, nous sommes heureux encore une fois dans cette soirée de pouvoir se tenir devant Dieu, de pouvoir partager quelques instants devant la présence de Dieu. Et je vous invite, mes frères et sœurs et amis, à pouvoir se connecter dans cette soirée, pouvoir passer un temps ensemble autour de la parole de Dieu, autour de quelques cantiques que nous allons chanter, de l'adoration. Et aussi nous aurons le témoignage de mon épouse, la Kermette, que vous connaissez. Gloire à Dieu. Voilà, on travaille ensemble, unis, pour la gloire de Dieu. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié dans cette soirée. Amen. Gloire à Dieu. J'aimerais commencer par ces temps dans la prière. Et je sais que mes frères et sœurs qui sont là, qui sont connectés dans cette soirée, c'est des frères et sœurs qui nous soutiennent, qui nous ont soutenus pendant quelques mois, et ce n'est pas fini. Même si je dois reprendre le travail, on va s'arranger. On en a parlé déjà avec des frères, avec le frère Spider, de pouvoir reprendre, même si ça ne sera pas tous les jours, comme on faisait tous les jours, partir de 8h15 pour la prière. Ça va être quelques fois par semaine, mais on sera là. Alléluia, fidèle. Fidèle à ces temps de bénédiction. Amen. Gloire à Dieu. J'aimerais qu'on puisse prier ensemble. Quelques instants. Gloire à Dieu. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Seigneur, nous te présentons devant toi ces moments que nous allons passer. Seigneur, te demandons de bénir chaque frère, chaque ami, chaque sœur qui est connectée derrière son écran. Seigneur, que tu permettes que, Seigneur, la majorité puisse être touchée, bouleversée par les cantiques, par la prière, par les moments que nous allons passer autour de ta parole. Seigneur, tu nous bénis dans cette soirée. Te demandons de bénir mon épouse, de bénir, Seigneur, de nous bénir, que nous soyons ces instruments entre tes mains, de disposer les cœurs, afin que nous puissions recevoir de cette semence qui est, Seigneur, vie éternelle, qui est source de vie, qui est pardon de nos péchés, qui est délivrance, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Te bénissons, te rendons grâce à notre Dieu. Alléluia, que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. J'aimerais qu'on puisse ensemble chanter ce merveilleux cantique. Alléluia, qui dit shalom. Paix de Dieu pour toi, paix de Dieu pour ta maison. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Que la paix de Dieu soit sur toi. Amen. Shalom. Que la paix soit dans ce lieu. Shalom. Comment va ta paix? Et si la vie avait à lever ta paix, alors shalom, que la paix soit dans ton cœur. Alléluia. Il déverse à nous les fleuves de paix, que même l'angoisse et la peur ne pourra ébrécher. Elle est un rempart fondé en Christ à tout jamais. De même que le diable et l'épreuve ne pourra nous terrasser. Alléluia. Nous proclamons shalom. Alléluia. Gloire à Dieu. Shalom. Que la paix soit dans ce lieu. Shalom. Comment va ta paix? Et si la vie avait à lever ta paix, alors shalom, que la paix soit dans ton cœur. Il déverse un fleuve de paix, que même l'angoisse et la peur ne pourra ébrécher. Oui, que rien ne puisse. Elle est un rempart fondé en Christ à tout jamais. Alléluia. De même le diable et l'épreuve ne pourra terrasser.
Alléluia. Nous disons shalom. Alléluia, que Dieu soit béni. Oh, que même l'angoisse et la peur ne pourra ébrécher. Elle est un rempart fondé en Christ à tout jamais. Que même le diable et l'épreuve ne pourra terrasser. On le dit ensemble, shalom. Alléluia. Shalom, que la paix soit dans ce lieu. Shalom, comment va ta paix? Et si la vie avait enlevé ta paix, alors shalom, que la paix soit dans ton cœur. Alléluia, gloire à Dieu, que la paix soit dans ton cœur, que la paix soit dans ta vie, dans cette soirée. Alléluia, ouvre ton cœur, laisse-toi toucher par le shalom de Dieu. Alléluia, que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Amen, que Dieu soit béni. Nous sommes heureux dans cette soirée de pouvoir partager cette paix de Dieu, ce shalom de Dieu. Alléluia. Que Dieu soit béni. Soyez les bienvenus dans cette soirée. Soyez bénis, richement bénis, puissamment bénis de la part de notre Dieu. Toi qui écoutes dans cette soirée, que tu es derrière ton écran, c'est le vœu de notre cœur et surtout le vœu de Dieu, c'est que tu sois touché par le shalom de Dieu, cette paix du ciel. Alléluia. Gloire à Dieu. Je vais laisser la place à mon épouse. Elle va vous donner un témoignage, une expérience. Comme elle sent, elle vit quotidiennement avec nous, avec moi, dans l'évangélisation, dans l'amour pour les âmes, dans l'intercession, dans la prière. Oui, ce que je vis, elle vit. Mais elle le vit dans le secret. Alléluia. Moi, je suis plus, je suis plus vu. Il y a des hommes et des femmes qui vivent dans le secret, qui font un travail remarquable, mais ils le font dans le secret. Et mon épouse est de ces femmes-là, qui prient, qui intercèdent. Et je sais qu'il y a des frères, des sœurs, qui vivent dans le secret. Alléluia, que Dieu les bénisse. Même s'ils ne sont pas vus des hommes, Dieu a le regard fixé sur eux. Alléluia, que Dieu te bénisse, mon épouse, ma femme. Amen. C'est une joie de partager notre foi, notre amour, ce que le Seigneur est capable de faire dans une vie, dans un foyer, où parfois les problèmes, les situations de la vie, les circonstances de la vie ont pu faire que parfois les gens sont troublés, désespérés et ne savent de quel côté se tourner. Mais je tiens à vous dire que j'ai rencontré la joie. Amen. Le jour où j'ai connu le Seigneur dans ma vie, il s'est révélé. À toi, Seigneur. Et il a mis cette espérance, cette joie, ce bonheur de le servir. Oui. Dans toutes les situations que nous avons passées. Dans les problèmes, dans les difficultés, dans les larmes, dans les deuils, oui, dans les souffrances. Oui. Il a été mon assurance. Amen. Il a été ce rocher en qui j'ai pu m'appuyer. Toi, il a été cette force, cette Amen. Espérance de pouvoir combattre le bon combat de la foi. Amen. Et je tiens à partager ce que parfois, dans les situations où nous passons, dans ces temps que nous avons passés, c'est vrai que nous avons souvent pleuré. Nous avons parfois plier les genoux par terre. Nous avons levé parfois les poings en l'air disant pourquoi c'est arrivé. Mais nous avons compris beaucoup de choses dans ces moments. Oh oui, oh oui. Il a été toujours là. Il nous a soutenus dans Amen. Les bons, dans les mauvais. Oui. Et je tiens à vous dire, mes frères, mes soeurs, mes amis, que de ne jamais désespérer, parce qu'il est toujours cet appui, cet ami fidèle en qui on peut se confier. Dans ces moments où nous vivons,
des moments, mais pleinement dans le Seigneur avec mon foyer. Nous participons dans cette œuvre qui nous est donnée de pouvoir être utile dans les mains de Dieu, de le servir dans toutes les circonstances. C'est vrai que parfois, nous avons été déçus, souvent déçus, mais lui, il a été toujours là. Amen. Parfois, nous aussi, nous l'avons souvent déçu, oui. Mais il a toujours été un ami fidèle, en Amen. Qui nous avons pouvoir toujours eu confiance. Et dans ces moments-là, nous partageons ces moments que le Seigneur nous a donnés à pouvoir aller témoigner de son amour, à faire connaître encore dans des gens où ils ne connaissent pas encore. Et nous partageons quelques sandwichs, nous partageons quelque chose. Il y a beaucoup d'amis qui sont là, qui nous donnent, qui nous soutiennent dans la prière. Ils nous donnent aussi parfois des choses pour pouvoir donner au SDF. Oui, Seigneur. Mais à combien il est bon de lui appartenir. Gloire à Dieu. Et de ne pas se laisser tromper par des faux raisonnements. Oui. Parce que parfois les raisonnements sont là. Et parfois l'ennemi essaye de nous faire dévié de son chemin. C'est vrai. Bientôt il revient nous chercher. Amen. Et nous devons rester fidèles, attachés à lui. Être souvent déçus des hommes, mais jamais déçus de lui. Et je tiens à vous partager ces moments que nous avons passés, tellement de bénédictions, parfois des larmes, mais il a été toujours là. Gloria a Dios. Voilà Amen. Ce que le Seigneur est capable de faire dans une vie. Gloire à toi, Jésus. Je vous remercie, mes frères et sœurs. Amen. Attachez-vous à lui. Oui. Il est fidèle, il ne vous abandonnera jamais. Gloria a Dios. Sois béni, Jésus. Alléluia, que Dieu soit béni. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Merci, Jésus. Alléluia. Merci, Sauveur. Merci. Que Dieu soit béni. Alléluia. Alléluia, que Dieu est bon. Je te bénis, Seigneur. Oui, nous te glorifions, Seigneur, pour ton œuvre. Cette œuvre que tu as mis dans nos cœurs, Seigneur. Afin de pouvoir te servir fidèlement. Seigneur, d'obéir à ce que tu nous demandes. Il vaut mieux plaire à Dieu que plaire aux hommes. Alléluia. C'est la devise que Dieu a mis dans nos cœurs. De pouvoir le servir fidèlement. Je vais chanter encore un cantique en espagnol. Qu'il parle de pardon. Et il dit comme ceci, Seigneur, aide-moi à pardonner. Amen. Et nous avons besoin de rentrer dans ce pardon. Alléluia. Ce pardon ce manque de pardon qui nous bloque, qui nous paralyse, qui nous empêche de rentrer dans les bénédictions de Dieu, dans la destinée que Dieu a pour nous. Et ce manque de pardon, j'aimerais que dans cette soirée, tu puisses être libéré. Libéré complètement de ce manque de pardon, qu'il dit comme ceci. Ayúdame a perdonar y amar a mis hermanos. Enséñame a perdonar, Señor. Quiero ser un buen cristiano. Ayúdame a perdonar y amar a mis hermanos. Enséñame a perdonar, Señor. Quiero ser un buen cristiano. Puede buscar en el mundo, no hay Dios como el nuestro. No hay Dios como el nuestro. Puede buscar en el mundo, no hay Dios como nuestro, no hay Dios como nuestro, no hay Dios como nuestro, amén. Es que no hay nadie como Él, no hay, no hay, no hay nadie como Él, no hay, no hay, no hay nadie como Él. Nadie como Él, es que no hay nadie como Él, no hay, no hay, no hay nadie como Él, no hay, no hay, no hay nadie como Él, no hay, no hay, no hay nadie como Él. Un
una corona de espinas clavada en el madero. Con una lanza muy grande y traspasada ya su cuerpo, ay de dolor que tenía, ay él clamaba al Padre Eterno. Sus hijos que no saben lo que han hecho. Amor, si no tienes amor, pídale al Señor amor para amar. Alléluia, ce cantique disait, demande à Dieu de l'amour. S'il te manque de l'amour pour pardonner, demande à lui. Et c'est le but. C'est le but de pouvoir pardonner, d'aimer. Alléluia. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. Je ne veux pas être long. Il est 9h10 déjà et j'aimerais rentrer dans le but et le thème de ce soir. Dans cette méditation, nous allons parler de ce Dieu de la Bible, de ce Dieu de miracles, celui qui est capable de multiplier où il n'y a plus rien, où il n'y a plus rien pour toi, où tout semble une impasse, où tout semble fini. L'Esprit de Dieu te dit dans cette soirée que tout est accompli, rien n'est fini, l'année a été fini. On passe à une année nouvelle. Et je souhaite de tout mon cœur que dans cette nouvelle année, tu sois un homme, une femme, un ami béni de la part de Dieu, au travers de la parole de Dieu. Cette parole est puissante. Elle ne revient jamais à Dieu sans avoir fait de son effet. Que Dieu te bénisse dans cette soirée. Soyez puissamment bénis. Je t'invite à faire une lecture avec moi dans le livre de Jean. Chapitre 6, du verset 14. Il dira comme ceci. Je vais pas être long. Simplement, te présenter mon fidèle ami. Celui qui a été là, comme disait mon épouse, dans les moments où tout semblait être détruit, il n'y avait plus d'espoir, envie de tout abandonner. Combien de fois dans ma vie, oui, moi, Thibaut, prêt à tout abandonner, parce que nous sommes que des hommes. Et il y a beaucoup d'hommes, de femmes, qui sont prêts à tout abandonner aujourd'hui, par rapport à la situation que l'on connaît. Si ce n'est pas la maladie, c'est la faiblesse. Si ce n'est pas la faiblesse, c'est le problème de foyer. Nous connaissons tous, et vous le savez, mes frères et sœurs, ceux qui sont connectés avec nous tous les jours, il y a des situations très importantes. Les problèmes de foyer, problèmes de maladie, problèmes de séparation. Mais Dieu nous a laissé des armes. Il nous a laissé un arsenal. Alléluia, des armes spirituelles. Ces armes qui combattent l'ennemi de nos âmes. Celui qui veut détruire ton foyer. Celui qui veut t'abattre. Mais en lui, nous sommes plus que vainqueurs. La Bible nous dit de résister. De lui résister. Et il fuira loin de nous. Et nous voulons le combattre par les armes de Dieu. Par ces armes qui sont la prière. Alléluia. Que Dieu soit béni. Nous faisons une lecture ensemble.
Dans le livre de Jean, chapitre 6, du verset 14, il dira comme ceci. Les gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Alléluia! Les gens ayant vu, les gens aujourd'hui veulent voir pour croire. Mais nous savons très bien que la foi, ce n'est pas de voir. La foi, c'est justement de croire avant de voir. Et aujourd'hui, les hommes désirent voir des miracles, des prodiges, des guérisons. Même si Dieu le désire et que nous aussi, nous voulons plus voir des miracles souffrir, des malades souffrir. Nous voulons voir la guérison, nous voulons voir la gloire de Dieu. Amen. Et que Dieu descende dans cette soirée, au travers de la puissance de sa parole, qu'il puisse te guérir à l'endroit où tu te trouves, que tu sois béni, que tu sois délivré. Mais le but de Dieu, la Bible dit que le désir de Dieu, c'est que le monde soit sauvé. Alléluia! Il y a plus que la guérison, il y a plus que la délivrance, il y a le salut de ton âme. Alléluia! Que Dieu soit béni et glorifié. Je relis ce texte. Il dit, ces gens ayant vu le miracle que Jésus avait fait, et nous allons en venir, disaient, celui-ci est vraiment le prophète qu'il doit venir dans le monde. Les Juifs attendaient et attendent encore ce prophète qui est le Messie, mentionné par Moïse dans le livre de Deutéronome, chapitre 18 du verset 15. J'ouvre une parenthèse et je vais la refermer de suite. Je vous lis ce texte d'abord. L'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. C'est Moïse qui parle. Hein? Il dira, vous l'écouterez. Un prophète comme moi. Moïse était un leader, un homme qui était respecté, accompagné par des prodiges, par des miracles. C'était un homme de confiance. Et c'est là que je vais ouvrir les parenthèses. Il y a des religions qui traduisent ce texte, cette prophétie, par un de leurs prophètes. Je referme la parenthèse, parce que je ne veux pas aller plus loin. Simplement, dire que celui qui a été accompagné de prodiges et de miracles, cet homme de confiance, il n'y a pas plus grand que Jésus-Christ. Alléluia! C'est notre sauveur, notre bien-aimé. Ah! C'était quoi qu'avaient vu ces hommes pour dire « C'est lui le prophète qui doit venir dans le monde ?» Je vous invite à faire une lecture avec moi et nous allons comprendre dans le livre de Matthieu, chapitre 14. Je t'invite, mon frère, ma soeur, mon ami. Matthieu 14, du verset 13, il dira à cette nouvelle, Jésus partit de là, dans une barque, pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. Et la foule, l'ayant su, sortit des villes et le suivit à pied. Les foules le suivaient à pied. Il dit, le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent, ce lieu est désert. Écoutez bien ceci, hein. Ce lieu est désert. Et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villes pour s'acheter des vivres. Jésus leur répondit, ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. Mais ils le dirent, mais nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Et il dit, apportez-les-moi. Alléluia. Il fit asseoir la foule sur l'herbe. Ils étaient en plein désert. Mais Jésus trouve un moyen, toujours, que par dans ton besoin, dans ton désert, il trouvera toujours de l'herbe pour te faire reposer. Alléluia. Que c'est beau la parole de Dieu. Alléluia. Il le fit asseoir. Alléluia. Et après là, après avoir dit, nous avons que 5 pains et 2 poissons, apportez-les-moi, il les fait asseoir près de l'herbe, prit les 5 poissons, les 2 poissons, les 5 pains
et les deux poissons, pardon. Levant les yeux vers le ciel, rendit grâce. Il rompit les pains et les donna aux disciples, qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés. Alléluia. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. En plein désert, Dieu est capable de trouver un endroit d'herbe pour te faire reposer. Que c'est beau la parole de Dieu. Que c'est beau la parole de Dieu. Que Dieu soit béni. Gloire à toi, Jésus. Jésus, voyant la multitude de la foule, fut ému de compassion. Dieu, en te voyant, il est ému de compassion. Il te voit errant. Il voit ta solitude. Il voit que tu es dans le besoin. Il ne se détourne pas, lui. Il est ce bon samaritain. Lorsque tu es blessé, roué de coups, laissé à demi-mort, il vient près de toi. Il vient bander tes plaies. Il vient te secourir. Alléluia. Dieu est bon. Dieu est grand, mes frères et sœurs. Te laisse pas tromper. La Bible dit, Jésus, voyant la multitude, fut ému de compassion et il guérit les malades. Alléluia. Le désir de Jésus, c'est de guérir les malades. Il désire que tu sois en santé, que tu sois heureux. Mais par-dessus ta guérison, il désire te sauver. C'est le but de Dieu. Il désire que tu sois heureux. Il désire que tu sois en santé. Mais par-dessus tout cela, il veut que tu sois sauvé. Alléluia. Que Dieu soit béni. Le verset 15, il dit, donnez-leur vous-même à manger. Et là, nous voyons Philippe qui répondit à Jésus et lui dit, mais même avec 200 deniers, c'est-à-dire 6 mois de salaire, avec 6 mois de salaire, on ne pourra pas les maintenir tous, on ne pourra pas les nourrir. Ça, c'est peut-être ta situation qui est impossible. Impossible, ni les hommes, ni ta famille peut arranger ta situation, ton problème. Tu es devant cette impasse, cette difficulté. Tu es devant cette forteresse et personne ne peut le faire. Mais je bénis Dieu parce que dans l'impossibilité de l'homme, comment nourrir cette multitude de personnes? C'est peut-être ton cas. Tu es dans l'impossibilité. Mais je bénis Dieu. Pour André, André dira à Jésus, nous avons 5 pains et 2 poissons. Alléluia. Mais qu'est-ce 5 pains et 2 poissons? À côté de cette multitude, nous n'avons rien. Je n'ai rien chez moi. Tout est en ruine. Tu as tout perdu. C'est possible. Nous avons l'histoire d'une femme. D'une femme qui est veuve. Qui a perdu son mari. Le chef de famille n'est plus là. Et cette femme se retrouve endettée. Elle n'a plus rien. Et en plus de tout cela, quand elle a perdu son mari, qu'elle n'a plus rien dans sa maison, là ils viennent les huissiers. Parce qu'elle doit de l'argent, elle n'arrive pas à payer. Et là, ils viennent ces hommes pour prendre ses enfants, pour les mettre en esclavage. Et là, cette femme va se tourner vers l'homme de Dieu qui est Élisée. Il dit, regarde comme je suis. Je suis endetté, j'ai perdu mon mari, et maintenant ils viennent prendre mes enfants. L'homme de Dieu lui dira, qu'est-ce que tu as dans ta maison? Et le Seigneur te dit aujourd'hui, dans cette soirée, qu'est-ce que tu as dans ta maison? Et tu peux me dire, mais j'ai rien dans ma maison. Comme cette femme va dire. Cette femme dira, je n'ai rien. Je n'ai rien chez moi. Je n'ai simplement qu'un vase d'huile. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu pour ce petit vase d'huile. Et l'homme de Dieu dira, va auprès de tes voisins et récupère des vases. Récupère des vases autant que tu pourras. Cette femme va aller. Va récupérer des vases un peu partout auprès de ses voisins.
Il dit que lorsqu'il va verser de l'huile, tous les vases vont être remplis. Et l'huile, c'est ça, lorsqu'il n'y a plus de vase. Alléluia, que Dieu fasse. Que Dieu fasse dans cette soirée. Que tu sois inondé de la puissance de Dieu. Que cette huile ne manque jamais dans ta vie. Que cette huile de la bénédiction puisse être répandue en ton cœur, dans ta famille, dans ton foyer, dans tes enfants. Oui, nous le croyons, ce Dieu de miracles. Alléluia. Nous revenons à cette histoire de la multiplication. Il dit qu'il y fait asseoir sur l'herbe. Dans ton désert, dans ta solitude, Dieu trouvera toujours un endroit pour te faire reposer. Tu as besoin de rentrer dans ce repos de Dieu. Tu es agité par les situations que tu vis. Toi, oui, mon frère, ma sœur, nous ne sommes pas épargnés. Nous sommes des humains. Nous sommes des hommes, des femmes. Nous ne sommes pas des robots. Oui, nous sommes des chrétiens. Oui, le Saint-Esprit vit en toi et en moi. Nous sommes puissants, non pas par notre propre force, parce que la Bible dit que ce n'est pas ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. C'est en lui que nous sommes des victorieux. Même si tout ne va pas, Dieu t'a donné quelque chose d'extraordinaire. Dieu t'a donné un talent. Et ne sois pas de ceux qui vont l'enterrer. La Bible, Dieu dit que nous devons marcher de progrès en progrès. Alléluia. J'aimerais qu'on puisse terminer. J'aurais voulu vous parler de ces expériences auprès des SDF. On vit des temps merveilleux, des temps de partage. Ce n'est pas simplement d'offrir quelques sandwichs, quelques boissons chaudes, quelques couvertures, des bonnets, des écharpes. Ce n'est pas que ça, mes frères et sœurs. On vit des temps miraculeux. Des gens ou des personnes qui sont inaccessibles au travers d'un sandwich, au travers d'une écharpe, au travers d'un bonnet. On peut arriver à parler avec eux. On peut leur parler de Jésus, de ce Sauveur qui est extraordinaire. Ces hommes qui ont tout perdu, eux oui, ont tout perdu. Ils ont perdu leurs épouses, leurs enfants, leur maison, leur travail. Ils dorment dehors. Hier, j'ai tout bouleversé. Bouleversé parce qu'il faisait un froid terrible. Chez nous, nous étions chez nous avec le chauffage et il faisait froid. Et je me disais, Seigneur, j'ai 3 lits de couchage. Il faut que j'aille les distribuer. Je suis parti dehors. J'ai pu en distribuer 1 sur 3. Et j'étais malheureux. Parce que je sais que je les avais et j'ai pas pu distribuer parce qu'il y avait personne dehors. Il y avait personne. J'ai pu en distribuer 1. Et je suis heureux de pouvoir servir mon Dieu de tout mon cœur. Qu'est-ce que je gagne? Ben, c'est la meilleure chose du monde. J'ai rien. Il n'y a pas de gain. Il n'y a pas de salaire. Il y a du temps. On perd du temps. Peut-être on donne du temps. On donne de notre vie. Mais je vous promets que nous sommes un foyer béni. Et les frères qui nous suivent, les frères qui nous accompagnent, c'est des hommes qui vivent dans le secret, on ne les voit pas. Mais ils prient, ils intercèdent pour cette œuvre merveilleuse. Parce qu'au derrière un sandwich, derrière une écharpe, derrière un bonnet, derrière un vêtement chaud, une soupe chaude, il y a la puissance de Dieu. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. J'aimerais terminer par ces paroles, j'aimerais t'encourager de tenir ferme malgré tout ce que nous voyons et tout ce que nous pouvons passer. Il y a plus malheureux que toi. Sache-le, mon frère, ma soeur, mon ami. Il y a plus malheureux que toi. Tu n'as qu'à aller à l'hôpital et tu verras bien. Ou tu verras des hommes, des jeunes hommes atteints par cette mauvaise maladie. Tu verras des enfants atteints de cette mauvaise maladie, touchés par le Covid, par des problèmes cardiaques. Et toi, tu te plains parce que tu as des dettes. Oh, Seigneur.
Nous avons un Dieu de miracle. Nous avons un Dieu extraordinaire qui est capable de changer, de transformer ta situation. Et je te conseille, mon frère, ma sœur et mon ami, si tu veux me laisser une requête de prière, on va le faire. Je pense que demain matin, on va continuer à prier rien que demain matin. Car mardi, je reprends le travail. Mais je vous promets qu'on va passer un temps devant Dieu, à partir de 8h15 le matin. Ça sera peut-être la dernière réunion. Et après, ensuite, on verra, on va s'arranger avec des frères pour reprendre le relais. Mais on ne veut pas abandonner ces temps de prière. On veut continuer. On veut se tenir là. Parce que nous savons que la prière est la solution contre tous les problèmes de la vie. Alléluia, la prière efficace. Ah, la prière qui transforme. Te bénissons, Jésus. Je pense que j'ai fini. Je ne veux pas rajouter rien de plus. Tout a été dit. Simplement, je t'invite à prier avec moi. Je vais simplement faire un appel. Et quand on dit faire un appel, on dirait que si on dirait présent, ce n'est pas ça un appel. Peut-être le mot est identique, mais là c'est un appel devant Dieu. Ce n'est pas de répondre présent, c'est ton cœur face à Dieu. C'est un appel urgent, c'est un cri d'alarme pour ta vie, dans ton besoin, dans ta nécessité. Et Dieu te voit ce soir. Dieu te voit dans ta situation, dans ton besoin. Dieu voit tes larmes. Dieu voit ta nécessité. Il sait, il connaît. Même les cheveux que tu as sur ta tête, il connaît ton besoin. Il connaît ton épreuve. Alléluia. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te bénissons, notre Dieu, pour ce que tu as permis, ces quelques mots, ces quelques paroles, ces quelques cantiques, Seigneur. Mais je sais que dans tout ce qui s'est dit, il y a eu une parole de Dieu pour un frère, pour une sœur, pour un ami. Te demandant, Seigneur, que tu puisses les bénir. Seigneur, nous voulons que notre prière soit, Seigneur, qu'elle perce, comme cette goutte d'eau qui tombe sur le rocher, et qu'avec le temps, elle creuse. Oui, Seigneur, nous voulons percer. Alléluia. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. Seigneur, tu vois les besoins. Tu vois les malades. Tu vois les problèmes de foyer. Tu vois tous ces enfants qui sont malades. Qui sont atteints, Seigneur, de cette mauvaise maladie. Qu'ils sont atteints par le Covid. Qu'ils sont atteints de problèmes cardiaques. Ah, Jésus, ceux qui sont autistes. Seigneur, tu connais tous ces besoins. Alléluia. Seigneur, nous te présentons tous ces cas devant toi. La liste est longue. Mais tu es ce Dieu tellement grand, tellement puissant, que tu peux nous entourer avec tes bras d'amour, Seigneur. Tu es capable de nourrir une foule de 5000 personnes, sans compter les femmes et les enfants, avec 5 pains et 2 poissons. Je sais que tu peux multiplier et multiplier tes bénédictions pour nous. J'aimerais finir avec un songe qu'un frère a eu, et j'espère qu'il va te faire du bien. Un jour, un homme a fait un songe, porté par les anges du ciel. Il se trouve devant une maison, une grande maison, et là, il va lui dire, Seigneur, elle est à qui cette maison? Il dit, c'est à la maison de Moïse. Et continue. Et il voit d'autres maisons. Il dit, c'est à qui ça? C'est de tel prophète. Et puis il se trouve devant un grand hangar. Et il va demander à l'ange. Et là, ce grand hangar, c'est quoi? Il dit, non, c'est bon. C'est bon, on continue. Il dit, non, dis-moi, c'est quoi ce grand hangar? Il dit, ici,
C'est tous les cadeaux de Dieu qu'il avait pour toi. Et tu ne les as jamais demandés. C'est malheureux de savoir que nous avons un Père Céleste qui est riche en bénédictions, qu'il désire autant te donner, mais qu'on ne demande pas. On ne demande que des miettes. Voyons grand avec Dieu. Voyons grand, mes frères et sœurs. N'arrêtons pas notre vision à la fin de notre nez. Non, voyons plus grand. Voyons plus haut. Alléluia, que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. Que Dieu vous bénisse au travers de ces temps. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Oh, Jésus. Sois béni, mon maître et mon sauveur. Que Dieu vous bénisse. J'ai pas envie de finir en vérité. J'aimerais chanter un cantique avec vous. Et on prendra le temps de prier. Quelques instants. Je veux pas être long. Simplement, chanter un cantique avec vous. Alléluia. J'espère que vous êtes bien dans votre maison. Que votre maison soit inondée de la puissance de Dieu. Alléluia. Combien Dieu est grand, chantons-le. Combien Dieu est grand, tous verront. Combien Dieu est grand, combien. Corazón quebrantado una y otra vez, y no hay nada que me enamore más, no, 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 nada que me apasione más. Solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino ante ti, Dios que perdona multitud de errores. Me Alléluia. Oui, Seigneur, nous te rendons grâce, nous te bénissons. Et seul devant toi, nous voulons s'incliner. Nous voulons passer du temps à toi pour t'adorer, pour t'élever, pour te glorifier. Seigneur, à toi seul, reviens toute la gloire, la puissance et l'honneur au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous te bénissons. Merci pour les âmes qui ont pu écouter la puissance de l'Évangile. Seigneur, nous croyons en ta puissance, cette puissance qui libère, qui transforme, qui guérit, qui sauve, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus, tu bénis chaque frère, chaque sœur, chaque ami, dans le nom puissant, Seigneur. Nous te levons
Nous t'élevons, Sauveur, te présentons tous ces cas, toutes ces familles qui sont en deuil, toutes ces familles qui souffrent dans leur cœur. Seigneur, ta parole nous dit que tu es venu pour consoler, tu es venu pour délivrer le captif. Oui, Seigneur, tu es venu pour redonner la vue aux aveugles. Ceux qui ne voyaient pas, ceux qui sont liés par les liens du péché, qui sont aveuglés, Seigneur, par la lumière du monde. Te demandant que par la lumière divine de ta parole, tu puisses les éclairer, que les écailles des yeux puissent tomber dans le nom puissant, Seigneur de Jésus. Je te dis merci, Sauveur. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Je vous souhaite une excellente soirée. Que Dieu vous bénisse. Gardez précieusement ce que vous avez entendu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée. Amen. À demain matin.